L'entraîneur qui a fait signe qu'il y aurait un double changement. Allez, ça repart à l'instant dans ce match. À noter qu'il s'agit du dernier match de la phase de groupe de la Coupe européenne internationale. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Kenilala. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Jiman Koukou. Il s'avance vers la surface. Il prend sa chance. Oh, oui, but! Ah bah, il venait à peine d'entrer en jeu et c'est un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Du plein de spontanéité. La frappe est sèche, hein. Ras du montant. Le but sous un autre angle. Voilà, le score qui est donc enfin défloré dans cette seconde période. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Et c'est officiel désormais, Gundogan a signé à Manchester City. En provenance du Borussia Dortmund. Quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction, je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. Il opte pour le centre. Coucou. Ah, il est un petit peu court hein, sur ce ballon. Il ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. Alors qu'on va procéder à un changement. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrer. Les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Allez, encore une passe. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. La tête. Un gardien qui s'est interposé magnifiquement. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ah oui, la talonnade. On s'approche de la zone de vérité. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ça tourne bien en ce moment, ce ballon. C'est un centre. La frappe. Pas de problème pour le gardien. Il lui donne ce ballon de la tête. Les Lensois à l'attaque. Ça n'ira pas plus loin.
Il est à la récupération au milieu de terrain. Allez, dégage, très loin. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Attention le tir. Ah, dans les occasions comme ça, il ne faut pas les rater. Dire qu'il avait l'égalisation au bout du pied sur ce ballon, là, c'est sûr qu'il peut s'en vouloir. Hein. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Et on va voir deux nouveaux visages sur la pelouse. L'entraîneur a décidé de faire un double changement. Abdelba. Patrick Olsen. Les 20 dernières minutes. Hein, nous y sommes. Il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise. Oui, ça circule bien, elle construit tranquillement. Et bien, l'intervention, changement de possession. Ouais, cette attaque qui avorte finalement. Peut-être une bonne opportunité, attention. Il prend le temps de centrer. Un ballon qui sort en touche. Ah, l'entraîneur, il ose. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Ah, oh, l'interception, il a tout anticipé. Il a vu son partenaire. Le tir. Ouais, il arrive du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Les 30 derniers mètres. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Ouais, bien défendu, le ballon qui est sorti en touche. Abdelba. Patrick Olsen. Le temps qui file dans ce match, la décision n'a toujours pas été faite. La frappe. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. On s'approche du but. Ouais, la frappe. Ouais, il avait l'égalisation au bout du pied. Ouais, ah, c'est quand même le genre d'action qu'il ne faut pas rater. Abdelba. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Le centre. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Oh,
c'est l'interception. Et la voilà la frappe. Oh là-bas, attention, ça continue. Et l'attaque va s'arrêter là. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Allez, changement dans quelques instants. Il est sur la trajectoire. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Non, ça n'ira pas plus loin. Patrick Olsen. Voilà, c'est fini. Ce sont les Lensois qui ont le sourire en cette fin de match. Ils viennent de s'imposer. Un match qui se termine avec un excellent résultat pour eux. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple ? Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.